merci. Yahweh Adonai, pour tes bontés qui sont inouïes, qui sont incommensurables. Nous avoir destinés à rentrer dans ton identité par celui qui est sorti de toi, la forme visible de tes caractéristiques puissantes, de tes vertus absolues, notre Père. Tu as destiné que nous soyons cela. Et c'est toi-même qui as organisé tout pour que tout cela puisse participer à nous faire sortir de l'état de vulnérabilité, l'état de faiblesse, l'état des ténèbres totales, pour entrer dans la lumière, pour entrer dans la gloire que tu es. Tout ce que tu veux est que, à mesure que tes ressources sont données aux esprits limités que nous sommes, que nous sortions des limites et que nous coopérons avec toi. C'est ça même, c'est quelle adhérence que nous consentions par le modèle de ton Messie, qui à cause de son consentement absolu, sa soumission totale à toi, une soumission affective à toi, on pouvait voir combien ton identité s'élevait en lui. Il était transformé au rythme même de la rotation du temps. Père, c'est à cela que tu veux nous amener, pour que par toi nous te comprenions, pour que par tes vertus nous comprenions le monde, que nous comprenions la création, et que nous participions surtout aussi à la bénédiction des autres. Merci de bénir chacun de nous individuellement, ici, bénir tous ces esprits de par le monde que tu ramènes à toi, parce que c'est à cela que tu leur as destiné par ton Messie. Bénis ceux qui sont en chemin, notre Père, que ces instructions que tu nous donnes, qu'ils puissent y avoir part, qu'ils puissent en prendre entièrement part, de telle manière qu'au même moment, et de par le monde, dans tous les coins du monde, que nos esprits s'élèvent, que les esprits de tes enfants s'élèvent de manière coordonnée vers toi, au travers de ton Messie, pour la bénédiction des grands nombres, au nom de notre Seigneur Yeshua. Amen. Voilà. Alors, donc, notre sujet de ce matin, auquel il est souhaitable que nous participions tous, chacun selon la mesure de la compréhension que le Père nous donne. Je vous rappelle que nous avons souvent l'habitude de fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, pour ceux qui viennent régulièrement ici, où il y a des enseignements qui sont faits sur le tableau avec la projection, et puis pendant que ces enseignements sont faits, il y a des questions qui sont posées. Il y a des participations que les gens apportent librement, mais il y a aussi des moments où nous pouvons nous asseoir, comme nous sommes là, à l'instant, pour partager autour d'un sujet, et laisser la liberté aux uns et aux autres d'apporter ce que le Père leur donne de comprendre. Donc le sujet de ce matin porte sur ce qu'on appelle dans la Bible, en termes simples, le vieil homme. Comment a-t-il été construit en nous? Ce vieil homme qui possède le vrai nous, notre esprit, qui s'oppose à ce que notre esprit ne rentre dans la puissante identité que le Père a pour nous. Ce vieil homme qui renvoie toujours vers l'extérieur. Vous voyez, qui renvoie vers l'extérieur. Comment pouvons-nous en être débarrassés? Vous voyez un peu la question. Dans le vieil homme, chacun peut donner sa compréhension du vieil homme. C'est vraiment quoi? Comment est-ce qu'il entend? Ce vieil homme, et donc c'est ça, parce que pour le projet du Père, le Créateur, c'est que nous devons être débarrassés du vieil homme pour l'émergence du nouvel homme. Il y a un nouvel homme qui doit émerger en nous, ce nouvel homme qui porte les caractéristiques dont le Créateur le rêvait. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons non seulement rentrer dans la force et la puissance même de comprendre qui est le Messie, même de pouvoir marcher, parce que nous n'aurons plus une identité contraire à lui. On aura la même identité. Voilà. Mais comment comprenons-nous donc ce vieil homme? Comment, selon les, puisque nous avons commencé ce matin, selon vous, comment a-t-il été construit? Et comment peut-il arriver que nous en soyons débarrassés? Donc voilà un peu, Emmanuel, tu peux mieux s'asseoir comme ça pour ne pas tourner le dos.
Voilà. Donc, vous voyez un peu la question sur laquelle nous allons partager ce matin. Donc, librement, si vous n'avez rien à dire, ne soyez pas gênés. Si même, c'est la question que vous avez autour du sujet, posée là, comme la sœur. Vous voyez bien la question que la sœur Anita a posée, ça nous a amené à une minute de partage assez large. Le vieil homme comme l'homme charnel, avec manifestant les œuvres de la chair, quoi, manifestant essentiellement tout ce qui est en exemple la colère, les disputes, les divisions, l'amertume, la haine, la jalousie. Voilà. En tant que. C'est ça. C'est ça. C'est ça le vieil homme. C'est ça, la nature charnée. Ouais, c'est ça. Contraire à tout ce qui vient de l'esprit. Ouais. C'est ça le vieil homme. D'après nous, comme dit. Comment a-t-il été construit? Puisque finalement, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire que si nous ne manifestons que ça, ben, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand je dis moi, ça ne renvoie qu'à cela. C'est pas, vous voyez bien, j'ai dit moi, j'ai dit Luc, Bimaël. Mais finalement, ça ne renvoie pas à autre chose qu'à cela. Si ce n'est que ce que je manifeste. C'est ça le vieil homme. Et ce vieil homme, c'est lui qui est Satan. C'est ça la forme visible de Satan. Donc, vous avez librement la parole pour que ça soit enrichissant pour tous. Ce vieil homme-là, c'est une personnalité avec des désirs, des compréhensions, des aspirations. Et on se rend compte que, au final, c'est par l'éducation, au final. Cette personnalité-là, on l'a reçue de nos parents, des repères qu'on a de nos parents. Comme on disait ce matin, de la même manière que nos parents se sont projetés dans le monde, c'est le regard qu'ils ont eu, qu'ils nous ont donné, et qu'ils ont transposé en nous. Et on se rend compte que c'est par l'éducation. C'est un peu ça. C'est ça. Oui, Angélique. En fait, quand tu as proposé le thème, ça m'a fait penser à un partage que j'ai eu ces derniers temps avec ma grand-mère biologique. Et en fait, on discutait par rapport à un état dans lequel elle est, ou ce qu'on appelle maladie dans le monde. Donc, avec des termes comme diabète, des termes comme arthrose, des termes comme toutes ces choses-là, tout ce qui est lié, en fait. Et par rapport à ça, elle a un traitement qui lui est communiqué et qu'elle doit suivre, en fait. Et lorsqu'on a commencé à discuter, en fait, elle nous racontait que par rapport à cet état de conscience, elle a eu des événements qui lui ont fait peur, lui faisant croire qu'elle sortirait de son corps. Elle nous dit. Mais se rendant compte que malgré cet état de la conscience qui est en elle, il y avait une partie en elle qui avait été comme alimentée en force et lui avait permis de pouvoir tenir. En fait. Et par rapport à ce constat-là, on s'est rendu compte ensemble et en discutant que ben, ce qu'elle disait moi, avec les termes comme diabète ou arthrose, maladie, ou qui doit aller chez le médecin pour se faire traiter, on se rendait compte que ça, ce n'était pas le vrai elle, en fait. C'était une partie, c'était une conscience qui s'était bâtie en elle, qui est même héréditaire, parce qu'on remonte, en fait, quand on va dans toute la lignée biologique, que ce soit les arrière-grands-parents, les parents, les grands-parents, et même dans ses frères et sœurs et les autres, ont ces mêmes caractéristiques-là, en fait. Et on se rendait compte que cette conscience-là, cette partie-là, c'était pas le vrai elle. Et que le vrai elle, en fait, c'était cette partie qui, malgré l'état de ce vieil homme, puisque j'aime bien le terme « vieux », parce qu'on voit qu'il va vers la fin, en fait, qu'il va en se dégradant. Il a un caractère limité et il a un terme, en fait. Et celui-là, il s'exprime. Et on voyait qu'ensemble, que la vraie partie d'elle, au contraire, lorsque c'est le père qui avait permis, parce qu'il y avait une instruction pour elle,
avait été influencé par la force. Donc, c'est lui qui avait pu avoir, on va dire, le dernier mot et faire taire, en fait, ce vieil homme. Et ça nous a amené à commencer un petit peu à faire la dissociation entre cette conscience-là qui propage l'hérédité des parents, donc construite par l'éducation, et qui est là, qui est bâtie, qui est construite, mais qui n'est pas le vrai nous. Et de prendre conscience qu'il y a un vrai nous, une vraie partie, et que c'est elle qui doit, qui n'a pas été développée, qui est restée dans l'embryon, et qui doit finalement être éduquée et prendre l'ascendance. Et celle-là, en fait, on ne peut pas, elle ne peut pas avoir les caractéristiques de vieil homme, de vieux, parce qu'on comprend que c'est elle sort, en fait, c'est cette partie-là qui doit hériter de l'éternité qu'est le Créateur. Donc, elle est pérenne, en fait, par nature, c'est elle. Qui est bénéficiaire, qui doit hériter de l'éternité, de la vie en pérennité, des caractéristiques du Père. Et c'est ça qui nous permet de... En fait, ça m'avait beaucoup édifié, ce partage avec elle. Parce qu'avec des termes, j'avais utilisé le terme conscience, mais avec des termes simples, ça a permis d'amener à prendre conscience, en fait, de ce vieil homme qui se construit, qui doit être détruit de toutes les façons, et de commencer à prendre conscience qu'il y a un vrai nous qui doit se construire. Et puis une autre chose encore, donc j'avais une conversation cette fois-ci avec ma mère biologique, donc ça c'était hier, et elle me disait qu'elle avait pu entraîner tout le reste de la famille pour une traversée en bateau. Et ils devaient aller sur un îlet, mais n'avaient pas au préalable vérifié les conditions météorologiques. Et il s'avérait qu'il y a, c'était vigilance orange, donc mer mouvementée. Et quand ils ont fait la traversée, donc, tout le monde a commencé à avoir ce qu'on appelle peur. Et elle me dit que ce qui s'est passé, c'est que pourtant, j'ai remis le moment à Elohim, parce qu'elle commence à dire ces termes-là. Je lui ai dit, je te remets le moment. Merci de bénir cette traversée. Alors, elle-même commence à se dire, mais pourquoi, pour commençant à remettre le moment au Créateur, pourquoi je manifeste la peur? Pourquoi, en fait? Elle commence à se poser cette question-là. Et c'est de là qu'on commence à identifier, en fait, cette partie d'elle qui a peur. Cette partie d'elle qui se méfie du Créateur. Cette partie d'elle qui a été construite, en fait, et qui ne peut pas, de nature, se reconnaître dans le Créateur. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est ce vieil homme-là. Et que c'est lui qui, de toutes les façons, doit être détruit, en fait, dans les événements. Et c'est lui qui a peur lorsqu'il y a des événements qui viennent se confronter à ce qu'il pense être. Mais le fait que je commence à me poser des questions et à vouloir même renier cette identité me montre qu'il y a une partie de moi réelle, mais qui, elle, ne s'est pas développée et qui, elle, n'a pas de force, en fait, dans les événements. Et c'est ça qui est le vrai nous, en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup édifiée parce qu'on voit que quand on commence à dans les événements, en fait, à commencer à se poser ces questions, à rentrer en soi, on commence à parler du père, hein, l'influence, commencer à prendre conscience de cette construction fausse en nous et désirer l'émergence du vrai. Et puis après, ce n'est pas, après des tels moments, ce n'est pas sans faire moi-même une introspection parce que quand les personnes qui nous ont vus avant commencent à voir un petit peu ce qui se dégage, elles comprennent que ces choses-là qui sont caractérisées par tous, parce qu'elles disaient que dans le bateau, tout le monde avait peur. Donc, cette conscience-là se manifeste pareil dans tous ses supports. Tout le monde avait peur. Donc, c'est là que quand une autre personnalité émerge au moins dans un, ça permet de montrer, en fait, qu'il est possible de se développer dans une autre identité, en fait. Et c'est ça, je voyais que c'était ça mon... Ça me motivait, en fait, à vraiment de plus en plus être vidée de cette fausse identité commune à ce qu'on appelle famille et commune à la conscience universelle pour l'émergence d'une vraie, pour merci. Révéler. Voilà. Donc, pour la sœur Chantal et Christian qui viennent d'arriver, donc, je permets de reprendre la question, là que nous en sommes. La question sur laquelle ensemble nous devons nous instruire ce matin, ensemble, hein, de manière participative. Donc, elle est la question de savoir c'est quoi le vieil homme, parce qu'on parle de
parle du vieil homme, selon le terme des Écritures. Et ce vieil homme, Chantal le disait, Nathalie, pardon, le disait, ce vieil homme qui a des caractéristiques bien identifiables, tout le monde sait, dont on peut voir les haines, les jalousies, les convoitises, les rivalités, parce que c'est ça les formes visibles du vieil homme, donc qui renvoie, si vous voulez, à l'identité de Satan. Malheureusement, il disait que quand je dis Luc, Jean, André, ça renvoie, soit à ce personnage, ou au personnage nouveau qui lui vient du Créateur, totalement l'opposé des caractéristiques auxquelles nous venons de faire allusion. Donc, ce vieil homme, c'est lui qui s'exprime par des divisions, comme on le disait, des divisions, des envies. Vous voyez bien, tout ce qui est totalement opposé au Créateur. Donc, la question donc est suivante, est de savoir comment a-t-il été construit en nous. Parce que c'est évident, c'est pourquoi les questions sont très importantes. Si nous n'identifions pas qui il est, le vieil homme, comment a été construit, nous ne comprendrons même pas les moyens de sortie. Voilà. Comment est-il possible qu'on en soit défait? Parce que c'est comme un manteau. Il faut bien enlever ce manteau pour porter un autre. Eh bien, c'est ça. Vieil homme. La personnalité que nous portons, c'est un habit. Hein. C'est-à-dire, nous nous soucions beaucoup de notre dimension physique, de comment nous devons nous habiller, et pourtant, le vrai habit, c'est ce qui nous caractérise à l'intérieur. Le vrai habit. C'est ça, c'est ce qui nous caractérise. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça la question. Donc c'est quoi le vieil homme? Comment a-t-il été? Parce que c'est très important, revenir, je veux dire, aux éléments pratiques, naturels, qui nous aident à nous comprendre. Voilà, donc c'est ça la question. Et au moment où Emmanuel et Angeline touchaient la question, en fait, il y a des questions simples que nous pouvons nous poser pour comprendre comment en nous a été édifié un type de personnalité qui est totalement opposé au Créateur. Bon, ce type de personnalité avec des caractéristiques qui nous donne la conscience, la prétention d'être Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'on se prend pour des dieux. Vous voyez bien, c'est ça les caractéristiques du vieil homme. Donc, il se prend pour Dieu. Donc, ça renvoie vraiment à Satan, bon, que lui, quand il s'est défini, c'est en dehors du Créateur. C'est-à-dire qu'il a une somme de caractéristiques qui le caractérisent, qui font sa personnalité, qui, tel que quand vous rentrez dedans, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'est le Créateur. Donc il ne peut pas se définir à partir du Créateur. Au point qu'il se donne même la prétention de faire du Créateur un outil qu'il peut utiliser pour réaliser ses passions. Donc, vous voyez clairement que c'est, généralement, c'est ce qui nous caractérise. Bon, vous voyez, c'est ça. Donc, mais comment est-ce qu'on en est, nous sommes en arrivés là? Bon. Et lorsque nous revenons à la phase simple, vous voyez bien que quand nous avons un enfant, quand il vient là, vous observerez bien que les premiers jours, déjà même dès le sein maternel, il n'a pas d'identité propre à partir de laquelle vous pouvez le définir. C'est-à-dire l'enfant est à l'absolu dépendant de l'identité de la maman. Même sa respiration, n'est-ce pas? Oui, même sa respiration. Donc de telle manière que si même la maman arrête de respirer dans le temps qui suit, si cet enfant n'est pas enlevé du sein maternel, lui aussi va arrêter de respirer. Donc il est à l'absolu dépendant. Si la maman ne mange pas, est-ce que c'est dans le ventre, est-ce que l'enfant peut manger? Non. Donc vous avez une dépendance identitaire absolue. Maintenant, lorsque cet enfant sort du sein maternel, il rentre là, vous observez clairement qu'il n'a pas d'identité distinguée. Premier jour, un mois, deux mois, trois mois, il faut lui donner une identité. Ça veut dire les éléments de définition de sa personnalité. Il faut lui en donner. Vous voyez bien, mais qui va les lui donner? Les parents. Les parents.
Et les parents les tirent où? De la société. Parce que les parents sont un des maillons de la société. La société, c'est un esprit. C'est une conscience. Donc, les parents sont un des maillons. Donc, il se sert et des parents et d'autres maillons de sa représentation pour se construire dans l'homme. Donc, c'est là que s'édifie le vieil homme. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est là que commence à se construire la personnalité. Donc, ce vieil homme, donc ça veut dire que c'est Satan qui s'est construit dedans. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, cet individu va porter toutes les prétentions de Satan. C'est-à-dire que pour lui, l'univers existe pour satisfaire ses passions. La création existe que pour satisfaire ses passions. Tout n'est bon que si la création est au service de ses passions. Vous voyez bien. Donc c'est de là que vient, j'ai dit bien, la jalousie. Ça veut dire qu'en fait, on commence à lui transposer une certaine idée de lui, derrière laquelle va se développer une idée de succès. Si tout l'environnement n'est pas à son service pour l'amener à ce qu'il appelle succès, il devient jaloux, haineux. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il se plaint de tout le monde, même du Créateur. Mais qui fait ça? Est-ce que c'est l'humain? Non. C'est le personnage mystérieux qui a été construit dedans, c'est-à-dire Satan. C'est ça, même Satan. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, en fait, quand vous avez, par exemple, un individu comme ça, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 1 million, 10 millions, n'est-ce pas? C'est eux qui deviennent la nation. Vous voyez bien, non? C'est-à-dire, c'est eux qui deviennent la nation. Donc, en réalité, c'est l'expression plurielle d'un esprit. Maintenant, parmi eux, il y en a qui vont pousser dans le lien avec l'esprit qui s'exprime au pluriel. Et ils peuvent devenir les hauts représentants. C'est-à-dire, c'est au travers d'eux que cet esprit canalise tous ces sujets. Donc, vous avez l'ensemble qui a pour identité, personnalité commune le vieil homme, c'est-à-dire Satan. D'où c'est qu'elle parlait là. Quand vous voyez bien, on vous fait des sondages, par exemple, en France. On vous dit, ce mois-ci, le moral, on dit bien, des Français est bas. Ça veut dire que quand il y a des points d'angoisse, tout le monde s'angoisse. C'est la même? Oui, puisque c'est la même identité. Dans tous les cas, le vieil homme, puisqu'il a une racine identitaire. Donc, nous disons bien c'est Satan. Quand vous avez 1 milliard d'individus qui partagent son identité, ce qu'ils ressentent, les 1 million le ressentent. Vous voyez, donc il s'installe une communication, une dépendance identitaire, une communication télépathique. Ses peurs, vous le ressentez. Ses angoisses, vous les ressentez. Son anxiété, vous le ressentez. Ses prétentions, vous les ressentez. Donc, vous êtes... Son mot d'expression, c'est ça le vieil homme. Est-ce que vous voyez bien? Donc c'est pour ça que vous allez voir bien qu'un enfant, quand il a, ce sont des expériences que chacun peut faire. Quand il a 1 an, il n'a pas encore une haute idée de lui. C'est-à-dire que l'idée qu'il a de lui venant des parents. Il est dépendant des parents. Il n'a pas encore une haute idée de lui. Donc, en lui, il ne s'est pas encore développé des intérêts opposés à ceux des parents. Vous voyez bien, donc c'est ça. Il ne pense son identité qu'à partir des parents. Mais dès le moment que cet enfant commence à aller à 6 ans, 10 ans, où il commence à se faire une idée de lui en dehors des parents, vous voyez bien que cet enfant, n'ayant plus les mêmes intérêts avec les parents, vous ne pouvez plus le soumettre n'importe comment à vos intérêts. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que lui-même commence à se prendre pour Dieu et donc les parents ou la société doivent être le sujet pour satisfaire les passions. Et ça vous rappelle bien dans Genèse, quand l'autre vient dire à l'homme que mais Dieu, c'est que Dieu, il vous manque. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dépendant de lui sur le plan identitaire pour être. Vous pouvez vous définir hors de lui. Vous pouvez vous faire une identité en dehors de lui. Donc, pendant ce temps, ce qu'il leur propose, c'est de porter son identité et de faire du Créateur un sujet. Donc, si vous voulez, c'est ça le vieil homme. C'est ça qui s'édifie dedans. Donc, ça veut donc dire que
Ce vieil homme est construit sur la base de la compréhension qui nous est donnée, l'idée de nous, et derrière laquelle nous allons tout concevoir. Richesse, succès, mariage, tout. Mais cette compréhension, comme elle est liée à l'identité, et que l'identité n'est pas la nôtre, mais celle d'un autre, dont Satan, donc ça veut dire qu'en réalité, nous sommes sa forme visible. Vous allez voir donc à la longue, c'est lui qui s'exprime. C'est lui qui s'exprime. Vous voyez bien, c'est ça. Donc, c'est important de comprendre comment il s'édifie. Donc, il est construit, nous les parents, quand je suis un parent, je porte une personnalité. Quand c'est le vieil homme, ce qui va sortir de moi ne sera pas le nouvel homme. Ce qui va sortir de moi au niveau embryonnaire, c'est le vieil homme, et donc qui aura besoin d'être alimenté par les caractéristiques que je porte et la société. Parce que vous voyez bien que la société, c'est un être vivant qui bouge, qui s'émeut, qui a des projets, qui a des envies. La société, c'est un être vivant, c'est un esprit, c'est une conscience. Si vous apprivoisez cette conscience, vous avez changé de civilisation. Vous ne pouvez plus voir le même mouvement. C'est cette conscience qui est, qu'on appelle donc le vieil homme. C'est une personnalité qui est opposée au Créateur. Elle n'a pas pour miroir le Créateur. Elle n'a pour miroir que qui ? Elle-même. Oui, elle-même, parce que c'est Satan. Satan n'a pour miroir que lui-même. Donc, ça veut dire que quand elle est en nous, elle ne se mire que en elle-même à l'extérieur. Elle ne se mire qu'en elle-même à l'extérieur. Donc, c'est cela. Bon, lorsqu'on parle donc... C'est là qu'intervient l'idée du salut. Donc, on le rappelle bien que cette personnalité, ce n'est pas l'esprit humain. C'est un intrus qui domine sur l'esprit humain. Vous voyez bien, ce n'est pas l'esprit humain, c'est cette personnalité. C'est un intrus. Ce que le Messie appelait un voleur. C'est lui qui est venu s'établir là, avant moi, c'est un voleur, c'est un brigand. Parce que le Messie, ce sont les caractéristiques du Créateur dont l'esprit humain doit être dépositaire, dont l'intrus est venu prendre cette place-là. Et pour étouffer l'esprit humain, pour s'opposer à ce que l'esprit humain ne rentre pas dans son identité. C'est ça, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça ce qui se passe. Donc, quand nous sommes habités de cette personnalité, je dis bien, quand je pense mon identité, ça ne renvoie qu'à celle-là. Hein? Ça ne renvoie qu'à cette personnalité-là. C'est-à-dire, quand je pense mon identité, ça ne renvoie qu'à ça. C'est-à-dire, très souvent, quand nous disons je, le je dont nous parlons, s'il ne renvoie pas au Créateur, il renvoie à ce vieil homme. Je. On dit, il ne m'aime pas. Il est méchant. Ce n'est pas le corps qui part, c'est le vieil homme à l'intérieur qui s'exprime.